Bonjour tout le monde, une petite nouvelle vidéo. Pourquoi je vous montre l'escalier et pourquoi je suis essoufflée? Parce que je viens de monter l'escalier avec ce carton ici. Voilà, je me recule pour que vous le voyez. Oup, voilà, il fait 20 kilos. Mon mari est au boulot. J'ai pas voulu attendre ce soir pour qu'il monte. C'est la bibliothèque que je viens d'aller chercher à Conforama pour ranger tous mes bouquins. Ouh, je suis morte. Et moi qui ne sais plus porter du lourd. Voilà. Je viens de passer presque 10 minutes pour monter l'escalier. Ben maintenant, je n'ai plus qu'à le déballer et à faire le montage. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour le montage. Enfin, une fois monté. Et je pourrai enfin ranger mes bouquins dans ma pièce. Et ça me permettra de vider quelques cartons encore. Et là, derrière la porte, du coup, vous verrez la petite surprise. À tout de suite. Donc voilà. Voilà, première partie, ben, déballage. Bon, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. Voilà, là, il y a une grande planche, une deuxième grande planche et toutes les petites planches, donc, qui seront le dessous et les étagères. La petite pochette de vis, en espérant qu'il n'en manque pas. Et le derrière, qui sera clouté. Avec la petite notice qui va bien, qui est toujours super bien expliquée. Voilà. Voilà, juste avec les images. Mais bon, on en a déjà monté une comme ça, elle est super facile. Donc ça devrait le faire. Voilà, on va se la monter toute seule comme une grande. Ça devrait pas être compliqué, non. De toute façon, j'ai déjà monté les meubles. Donc, il n'y a pas de souci. En même temps, ben, on est dans la chambre. Du coup, vous n'avez pas encore vu la chambre. On a monté deux armoires comme ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer l'autre côté. Vous verrez mieux. Voilà. Vous voyez, on s'est pris deux armoires comme ça. On a chacun la nôtre. Ça n'a pas de bagarre. Et on s'est pris deux penderies, comme ça, toutes simples, en tissu. Ça nous va. Voilà. Et vous rappelez, notre attrape-rêve, bah, du coup, il est au-dessus de notre lit. Voilà. Donc là, bon, les peintures sont pas encore faites non plus. Hein. On doit les faire. Alors du coup, je vais monter la bibliothèque ici dans la chambre. Et je la glisserai après... dans la pièce, dans l'atelier, pour pouvoir y ranger les livres. Donc pour l'instant, eh ben, on va monter ça. Je vais commencer à monter les premières pièces et je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Voilà, la première planche est déjà posée. Donc on va poser. En plus, il y a un jeu d'enfant. Juste, il ne faut pas la mettre à l'envers. Il dit 30 minutes. Donc, on va voir. Bon, je vais vous la mettre en accéléré, hein, la vidéo, sinon. Un peu. Ah, c'est que je serre à fond tout de suite.
voilà, maintenant je peux tout serrer. Donc là, ça s'est barré. Voilà. J'adore ce genre d'appareil pour visser. Pourquoi ça ne veut pas tenir? Voilà. C'est bon. On remonte le pantalon. On va resserrer un petit peu. Voilà. Et on serre en haut. Et on est essoufflé. J'ai les belles jambes, non? Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire, je vous jure, hein. Voilà. La première partie est finie. Alors maintenant, il va falloir que je retourne la bibliothèque. Parce qu'il faut que je mette le dos. Le dos noir sur la bibliothèque. Donc ça, c'est pratique parce qu'elle pèse un âne. Voilà. Donc je regarde que tout est bien vissé hein, quand même. Et maintenant, je la retourne. Je vous aurais tout fait, hein. Tout fait. Hop là. J'essaie de ne pas le faire tomber sur mes orteils. Ce serait bien. Voilà. Et là, on va mettre le dos noir. J'espère que je suis pas trop hors champ, les filles. Voilà. Hop. Voyez, en fin de compte, elle est super facile à monter, cette bibliothèque. Elle est pas chère. C'est le principal. Elle vient de Conforama. En ce moment, j'achète beaucoup. Enfin, j'achète surtout à Conforama.
Et ce qu'il y avait dans les autres meubles et qu'il n'y a pas ici, pour mettre les clous, c'est ce petit appareil, voyez. Voilà. Ce qui permet déjà de ne pas se taper sur les doigts. Alors, je vais vous montrer. J'ouvre mon sachet de clous. Là. Hop, on prend un clou. Allez, je vais m'asseoir. Prenez ça. Vous mettez votre clou, pas par terre, hein, ça ne sert à rien. Prenez votre clou. Vous le mettez dans le petit trou, là, voyez? Hop, pas à côté, dites. Voilà, dedans. Et ce qui fait que vous allez taper sur le clou et vous serez à la bonne distance, en plus, pour que clouer tout le long de votre bois. Vous n'allez pas clouer à travers. Et ça, c'est pratique. Alors, je vais essayer de vous de bouger un peu la caméra pour que vous voyez bien. Si je mets comme ça et comme ça, on va espérer que ça ne va pas bouger. Oh là là, on n'a plus 20 ans. Hein. Voilà. Donc déjà, on met ça bien droit. Voilà, que ça ne dépasse pas. Donc, je prends mon petit appareil, voilà, que je pose ici, à ras du meuble. Donc ça, vous voyez, la petite arête, là, pardon, on la pose à ras du meuble. J'espère que vous verrez bien. Je vais essayer de faire un gros plan. Est-ce que j'ai... Non, j'arrive pas à faire un gros plan. Bon, ça fait rien. Voilà, je pose comme ça. Et voilà, mon clou est enfoncé à moitié. Hop, j'ai plus qu'à retirer. Et je peux clouer. Voilà, et j'ai pas traversé le meuble. Donc, je vais pas vous montrer partout. Hein. Je vais couper un peu la caméra. Bon, je vous en refais un, mais là, vous le voyez pas. Voilà. Donc là, je vais tout clouer et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Oh, pardon, je vous mets la main devant. Voilà, j'ai fini de clouer tous les... Comment? Tout l'arrière. Alors maintenant, il faut que je relève la bibliothèque. Ça, c'est pas une mince affaire. Hein? Excusez-moi, je vais passer devant. Mais là, je suis obligée. Voilà. Donc voilà. La bibliothèque. Donc maintenant, il faut que je mette les petits bitonio comme ça. Voyez. Pour les étagères. Donc ça va, hein, c'est facile à mettre. Hop. Donc ça, je les mets tous à la même hauteur. Désolée pour le bruit. Donc j'ai trois étagères à poser et la bibliothèque sera finie. Donc en fin de compte, ils disent 30 minutes. Je pense que j'ai mis moins de 30 minutes pour la faire. Ouais, je pense que j'ai mis moins de 30 minutes. Que bon, elle va quand même assez vite à faire. Voilà. Voilà. Un petit coup. Et les deux derniers. Ah bah j'en ai un en plus, c'est bien. Des fois, il y en a en plus. Alors.
là. Celui-là, il rentre moins bien. Voilà. Donc, il ne me restera plus qu'à mettre les étagères. Mais ça, je les mets. Je vous montre, mais je les mettrai dans l'autre pièce. Donc, voilà ce que ça fera. Donc, je vais vous montrer dans l'autre pièce. Parce que là, je vais la bouger, mais à vide. Ça sera moins lourd. Et donc, je vous la montre. Alors, je vais bouger. Ce que ça donne. Et donc, bon, là, bien sûr, je vais remettre les deux étagères qui manquent. Hein, elles sont là par terre. Mais vous voyez, tout simple. Voilà. Il ne faut pas sortir de Polytechnique pour monter cette bibliothèque. Je dis, elle n'est pas chère et elle va vite à monter. Donc voilà, 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 voilà. Donc maintenant, je vais la mettre dans l'autre pièce. Enfin, je vais d'abord enlever les cartons. Et je vais la mettre dans l'autre pièce. Et on se retrouve juste après, une fois qu'elle sera installée et les livres dedans. Voilà, allez, à tout de suite, le temps de tout faire, bien sûr. Là, je fais juste une pause, parce que là, je vais péter un câble avec Conforama. Je viens de m'apercevoir. Alors, hier, on a eu le lit. J'ai couru ce matin à Conforama parce que il me manquait deux embouts pour mettre une latte au lit. Donc j'ai eu les deux embouts ce matin. Là, regardez, voilà, voyez, j'ai installé la bibliothèque. Et regardez la dernière étagère. Voyez là, bon, il y a des... Comment ? C'est blanc. Et la dernière étagère. Il n'y a pas le blanc. Il n'y a pas de l'autre côté non plus. Putain, je vais péter un câble avec eux. En ce moment, j'achète mes meubles toujours chez eux. Et il y a toujours une couille dans le bastringue. Vous allez rire de ma phrase, mais non, mais c'est vrai. Purée. Je vais péter un câble, je sens. Bon, ça fait rien. Je vais ranger mes livres. Et là, bah, j'irai, c'est dans la semaine. Hein. Donc, je vais rien mettre sur celle-là d'étagère. Bon, en attendant, je range les livres et je reviens vers vous. Je vais devenir folle. À tout de suite. Et bien, voilà, j'ai fini d'installer la bibliothèque. Mais du coup, vous voyez, j'ai rien mis sur l'étagère où il y a un défaut. Parce que bah, demain, je pense que demain... On ira à Conforama avec la planche réclamer. J'en ai marre. C'est pas parce que c'est pas du pas cher qu'il faut se foutre de notre gueule. Hein, donc voilà. Donc là pour l'instant j'ai mis tous les livres comme ça. Bon, ils sont pas triés. Là je crevais. Je suis en âge, donc dans la semaine, je les trierai et puis voir s'ils me rendent une planche tout de suite, que j'attends pas 6 mois pour avoir une planche. Donc voilà, la bibliothèque. Au moins, ça me dégage des cartons, vous voyez, déjà. Il y en a moins à trier. Et voilà, donc, le lit. Voilà. Il est installé aussi. Voilà. Donc, c'est le lit dont je vous parlais, qui à la base coûtait 220 € et que j'ai eu pour 43 €. Donc, je vous le montre comme ça. Voilà, pour que vous voyez le dessin du fer forgé. Voilà. Yeah. Et ça, c'est... le linge de lit que j'ai eu aux Trois Suisses. J'ai pris marron comme ça, puisque mes rideaux vont être dans les tons marron. Voilà. Donc ça va, il me reste de la place, vous voyez, quand même, pour... bon, là, faites pas attention, parce que du coup, c'est le bordel. Hein. Il me reste quand même de la place encore pour mon atelier. Donc, il n'y a pas de souci.
Et là, j'essaierai de voir pour trouver un petit tout petit tabouret ou un truc comme ça pour qu'on puisse se servir comme petite table de nuit pour poser ben, le portable ou voilà. Donc voilà. Vous aurez vu le montage à la bibliothèque. Bon, désolé là pour le défaut, hein, mais je suis dégoûtée. Mais bon. Allez, il y a Fifi qui gratte à la porte. Écoutez. Ah, excusez, il y a une coupure. Maintenant, je vais aller tout ranger. Je vais aller donner à manger à mes bébêtes. Et on se retrouve très bientôt, donc pour une nouvelle vidéo. Voilà, à très très bientôt. Bisous, bisous. Et je vous donnerai la suite de l'atelier, bien sûr. Bisous. À bientôt pour de nouvelles aventures.